Marquise, acceptez de voir votre vie avec franchise. Femme du peuple, c'est ainsi que vous le dites. C'est bien cela. Mais qui ont moins de 15 ans, vivant à leur côté et servant leur talent à fréquenter Molière et Corneille et Racine. Et alors? Mais voilà qui fascine. Racontez-moi votre labeur, votre travail, en essayant de n'en omettre aucun détail. J'écoute votre vie, celle de nos poètes. Dites-vous que j'écoute et non pas que j'enquête. Il m'a tout appris. Il était mon maître, mon père, mon ami. Vous devez tout à couronner, soyez sincère. À peu près. Je dois tout le reste à Molière. J'adore le train. L'Express d'Orient se doit d'offrir le meilleur service à ses passagers. Le calme. J'ai mis 2 tours de clé. Et vous n'entrerez pas. La guerre vient de commencer. Nous devons rester un havre de paix. Cette époque pue le sang. Quand un imbécile fait quelque chose dont il a honte... Dieu et son âme. On nous dit que le train s'arrêtera à l'aube pour que la police monte à bord. Ce n'est plus aussi facile, de nos jours, de découvrir un criminel. Je ne voulais pas la suivre au début. Un fait qui sort de l'ordinaire est plutôt un indice qu'un embarras. Mais que dire lorsque tous les faits sortent de l'ordinaire? Échec et mat. Nous allons construire le plus grand édifice de l'histoire de l'humanité. 15 jours de travail, 1000 pieds d'eau. 305 mètres. Ah, regardez comme la statue de la liberté est petite à côté. Ce qu'on vient vous présenter aujourd'hui, c'est l'avenir. Et l'avenir, c'est ça. Oh, un pylône. Vous n'avez pas gardé les trous, si? Le plus gros chantier jamais vu à Paris pour 2 tours que personne n'a demandé. Papa, tu ne vois pas ce que ces 2 hommes t'apportent? Le plus grand défi de ta carrière. Tous les regards se poseront sur la France, sur notre génie. Maintenant, il fait une phrase qui parlera à mon père. Plus haut que le ciel, ça lui parlera. Vous m'avez engagé parce que vous me faites confiance. Alors je vous dis, ne construisez pas cette tour. C'est un projet impossible. Papa. Vous avez raison, c'est impossible. Merci. Et c'est pour ça que nous allons le faire. Maurice a 12 ans, moi 10. Tous les deux, c'est comme ça. On ricane autant qu'on se chicane. En 1942, notre premier matin avec l'étoile jaune cousue sur le manteau. Mon étoile. Contre un sac de billes. Ma première bonne affaire. Aujourd'hui, il faut fuir. Ne dites jamais que vous êtes juif. La France libre n'est plus très loin. Je vous fais passer, moi. Pour 500 francs chacun. On est tombé dans un piège. Une souricière. Non, on n'est pas juif. On est d'Algérie. Je descends le grand escalier et tout le monde hurle. Jean Massot est là. Je tire une rafale. Il me dit, vas-y Joseph, vas-y tire et tue-les tous. Je ne bougerai pas. Non, monseigneur, crois-moi, c'est une méprise. Ne provoque pas trop la haine que je te porte. Quel étrange rêve j'ai fait. Il m'a semblé que j'étais amoureuse d'un homme. Il from hence, one voice. One voice disturbed. Vas-y, c'est quoi le problème? Moi, je sais pas, je dois redevenir une femme.
Attends, attends, la fille qui fait 4 gosses, qui dit qu'elle veut privilégier sa vie professionnelle, c'est pas crédible. Ah non, c'est pas crédible. Bon, Brigitte, on décroche les gosses là parce que ça part en vrille. Ah ouais, bah vas-y, j'arrive. Non mais y a pas mort d'homme non plus, c'est des fringues, ça se ramasse. Franchement, tu frises le burn-out maternel en ce moment. Le burn-out maternel? Mais on peut même pas faire de burn-out sans qu'il soit maternel quand on est mère de famille, quoi. Mais même dans le burn-out, faut encore se coltiner ses gosses. Quand je vois toutes les fois où je t'ai dépanné parce que non, là où l'autre... Non mais c'est était... une blague. Tu me dépannes avec tes gosses. Vas-y, répète. Allez, maman rapplique, hein, on se dépêche. Impact dans 30 minutes, hein, top chrono. Qui est comé quoi? Comédienne. Vous êtes pleine de bonne volonté, vous irez très bonne à la vie. Les fils. Pour les ancêtres, la première gorgée est toujours réservée aux ancêtres. Ah, maman, enfin. Oh, quel bonheur de t'entendre, maman. Qui fait le plus d'humanitaire en Afrique? C'est nous, les immigrés, nous faisons de l'humanité familiale. Le balayeur malien qui balaye tous les jours dans le métro. Il envoie beaucoup plus d'argent en Afrique que Angelina Jolie et tous les FMI réunis. Une comédienne noire en France ici, avec un accent à couper ou coupe comme le tien, ma chérie, tu vas galérer. T'en souviens-tu, Marie? Te souviens-tu de ta première rencontre avec George Sand? Quel âge as-tu? Bonsoir, Madame Sand, j'ai l'an sur 12. Comment t'appelles-tu? Marie Caillon, Madame Sand. La seconde fois où j'ai retrouvé la petite Marie des Poules dans sa chambre, elle s'est montrée moins farouche. Je me suis montrée moins farouche. C'est bon d'avoir à domicile une jolie fille qui vous accueille. Bon, j'ai un coucher à présent. Ah mais non, 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 il n'en est pas question, non. Non, je vous emmène au bal. Tu parles mieux? Je perds donc petit à petit mon accent. Alors tu sais lire à présent? Juste un peu. J'aime comprendre. Je vais me fiancer. Tu dis rien? Il commode de posséder une jeune et jolie servante avec qui on te batifolait sans crainte? Pas du tout qu'une telle liaison puisse perdurer. Mais plus un gamin que garde. À 18 ans, je comprends, j'ai un fils de famille, couche avec la bonne, mais à 39, faut que ça cesse! Maman, il faut que ça cesse! Nous sommes le 2 août 1914. Et ce jour-là? Ce jour-là? Ce jour-là? Ce jour-là, c'est la guerre. Et voilà que les usines d'armement reniflent la prospérité. Elles embauchent, alors ils font appel à ce qui reste, aux femmes. Il y a quelque chose qui rend malade dans les ateliers. Vous vous montez le bourrichon les unes les autres? C'est traction, qui ne part pas, même en frottant jusqu'à se faire saigner. Je suis sûre que ça vient de là. Il va bien falloir que tu te rends compte que tes petites pensées de suffragistes et de socialistes, ça retarde tout l'atelier. Femmes des ateliers, exigeons des conditions de travail et de sécurité dignes de ce nom. Notre force s'arrête où commence notre peur. À travail égal, salaire égal, avant la guerre, vive la grève! Je suis seconde classe, rossignol, je suis affecté à la protection de votre entreprise. Soyez le bienvenu, monsieur le militaire. Tu fais quoi sinon dans la vie? T'es animateur au FLN comme tous les arabes? Et toi Jean-Paul? Maître nageur dans les baignoires du général Massu, non? Il est mort, papa! Il est mort, 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 mort! Oui, il est mort! Assassiné par tous ces picots qui nous entourent! T'as pas honte de dire ça devant eux? Moi j'ai honte pour toi! Mais je parle pas d'eux, c'est pas les mêmes! France, comment vivre ensemble alors que ton peuple massacre le mien comme des chiens? C'est la guerre, tous les moyens sont bons. La seule question que tu dois te poser, c'est pourquoi le peuple algérien n'a pas le droit à l'indépendance. Mais l'Algérie, c'est nous! Il y a un siècle, nos familles ont traversé la Méditerranée, ils ont ouvert des commerces, ils ont planté des vignes. J'ai compris! Il y a 1 milliard d'années, naissait la sexualité. Et ça n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. Mesdames et messieurs, attendez-vous à tout.
comme la baleine, ont une vie sexuelle. Et il apparaît clairement que l'activité fondamentale du vivant se résume à trouver un ou plusieurs partenaires pour se reproduire. Les modalités en sont innombrables. Et c'est ce que nous allons voir. Nobody cares for me.